chers Verseaux, comment allez-vous les Verseaux? J'espère très très bien. Et qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai 2014 pour le signe du Verseau? Eh bien, Mars va en direct, heureusement, dès le 20 mai. Donc, c'est pour tout le monde un sentiment de ah, les choses, on va en avance maintenant. Donc, aussi pour les Verseaux. Et surtout, ça se situe pour les Verseaux dans votre 9e maison. C'est quoi la 9e maison? C'est la maison de nos visions, la maison de l'espoir. Donc, la maison aussi de notre fate. How do you say that? Donc, on a un peu plus de la confiance que des choses, ça va aller. Donc, c'est pas mal pour les Verseaux. Et surtout aussi pour ceux qui sont étudiants, c'est un bon moment pour faire beaucoup d'efforts. On a une possibilité de réussir si Mars est la planète de l'action, donc si on fait beaucoup de l'action. Mais quoi d'autre? Eh bien, Vénus, la planète de non seulement la planète de l'amour, mais aussi la planète de nos valeurs, la planète de la beauté, se trouve dans votre 3e maison. Et ça, c'est très agréable parce que la 3e maison, c'est la maison de nos communications. Donc, une période avec communication agréable. Ça, c'est Vénus dans votre 3e maison. Très simplifié, mais c'est très important. Quand on peut communiquer et des gens on dit ah oui, je comprends. Donc, pour l'environnement, pour des communications générales, maintenant, on a la possibilité de s'exprimer plus gentiment, plus charmant aussi. Et voilà pour les Verseaux. Beaucoup de la chance pendant le mois du mai. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas, il y a tout l'info au-dessus de ce petit vidéo. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.